Traitement itératif des listes chaînées ou l'interface itérateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'implémentation d'une liste chaînée et on va comparer le temps d'exécution de deux méthodes. L'une d'elles va être écrite à l'extérieur de l'implémentation de la classe LinkedList et elle va traverser la liste, afficher toutes les valeurs. L'autre implémentation, on va l'écrire à l'intérieur de la classe LinkedList et elle va faire le même travail. Elle va visiter chacun des éléments et elle va afficher les valeurs. C'est un sujet que j'aime particulièrement parce que ça nous permet de bien renforcer la notion d'encapsulation. C'est vraiment un sujet qui fait appel à des fortes connaissances en programmation orientée objet. Et particulièrement, je trouve que c'est un bon exemple pour discuter du concept d'état d'un objet. Qu'est-ce qu'un objet doit mémoriser? Quel est son état? Et finalement, on va voir qu'il y a plusieurs applications des interfaces. C'est aussi un sujet qui nous permet de parler de façon très, très informelle de complexité du calcul que vous allez voir dans le cours de structure de données l'an prochain. Donc, c'est assez complexe, c'est assez propice comme sujet. Alors, j'ai pour cette vidéo l'interface list avec des méthodes comme size qui me retourne la taille de cette liste-là, des méthodes pour ajouter, des méthodes pour retirer et une méthode get qui me permet d'accéder aux éléments à l'aide d'une position. L'implémentation que j'ai choisi de discuter, c'est l'implémentation finale qu'on a utilisée dans la dernière vidéo. C'est l'implémentation où les objets de la classe Node sont doublement chaînés. C'est l'implémentation qui utilise un nœud factice et c'est une implémentation qui est circulaire. Donc, je peux vous montrer en fait un diagramme pour vous rappeler ce que ça avait l'air. Donc, on avait l'idée qu'une liste débute toujours par un nœud factice. Il est ici. Même quand la liste est vide, il y a un objet de la classe Node. C'est le nœud factice. Quand il y a un élément dans la liste, bien, il y a le nœud factice et l'élément en question. Et de façon générale, il y a toujours le nœud factice plus les éléments de la liste. Ce qu'on a vu au dernier cours, c'est cette technique d'implémentation-là fait en sorte qu'il n'y a pas de cas spéciaux et elle va beaucoup nous aider dans l'implémentation de nos méthodes aujourd'hui. Celle qu'on va considérer dans les notes de cours, c'est une implémentation simplement chaînée avec simplement une référence vers le premier élément de la liste. Donc, l'implémentation qui est dans les notes, elle est différente de l'implémentation qu'on va utiliser pour coder. Alors, je vous explique dans une seconde mon but. Oups, je suis allé un petit peu trop loin ici, là, dans mes slides. OK, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut traverser cette liste, puis on va le faire à l'extérieur et à l'intérieur. Ici, je suis dans une classe test. Je suis donc certainement à l'extérieur de l'implémentation de la classe LinkedList. Dans ma méthode principale, j'ai déclaré une variable colors de type LinkedList. J'ai créé l'objet, j'y ajoute des éléments, bleu, blanc, rouge, jaune, vert, orange.
Je passe la référence de cette liste-là à la méthode traverse. Traverse doit afficher le contenu. Donc, for int i égale à 0. Ici, clairement, tout ce que je sais de cet objet-là, c'est que j'ai une référence de type list. Je connais pas, en fait, dans la méthode traverse, l'implémentation exacte. J'ai certainement pas accès à ces variables. Tout ce que je sais, c'est cet objet possède les méthodes qui sont ici. Donc, je peux utiliser la méthode size. Donc, i égale à 0, tant que i est plus petit que l.size, la taille, i plus plus, et je vais afficher le contenu, system out print line. Et là, parmi les choix de méthodes, il y a certainement la seule méthode qui est utile ici, c'est get. Donc, get de i comme ceci. Java C test.java. Ça compile. Java test, j'affiche le contenu. Okay, une idée simple de l'extérieur, quand je ne suis pas dans l'implémentation de la liste chaînée, je dois utiliser ces méthodes et dans ce cas-ci, la méthode qui est appropriée, c'est la méthode get qui me permet d'afficher le contenu. Allons implémenter une méthode équivalente, mais lorsqu'on est à l'intérieur de la classe linked list. Okay? Je suis à l'intérieur de la classe. Je vais implémenter une méthode d'instance que je vais appeler traverse. Celle-ci, elle n'a pas besoin de paramètres puisque c'est une méthode d'instance. On va l'appeler sur une liste. Traverse, je suis à l'intérieur. Oui, je pourrais utiliser la méthode get, mais j'ai aussi accès aux éléments. Donc, je vais écrire quelque chose comme current égale head. On est dans une implémentation où on a un nœud factice. Je vais donc commencer sur le premier objet de la classe node qui contient une valeur et non pas sur le nœud factice. Tant que, et là, si current.next est égal à head, alors j'ai atteint la fin. Donc, tant que je n'ai pas atteint la fin, tant que current.next est différent de head, on va aller à l'intérieur, puis on va afficher system out print line current.value. Puis, on va se déplacer vers l'avant. Current est égal à current.next. OK? Pensez-y. Si la liste était vide, il n'y a que le nœud factice. C'est une liste circulaire. Quand j'écris current égale head.next, current pointe vers le nœud factice. Ici, est-ce que current.next est différent de head, du nœud factice? Non. Je ne vais pas dans la boucle. Il n'y a rien qui se passe. Imaginez le cas maintenant où il y a un seul élément. Quand il y a un seul élément dans la liste, on a le nœud factice suivi de l'objet node qui a la valeur d'intérêt. On va donc commencer. Current égale à head.next. Current va pointer vers le deuxième objet node. Dans ce cas-ci, current.next. Ah! On voit qu'il y a une petite erreur ici. On va plutôt faire comme ça. Donc, recommençons. On va voir qu'est-ce que ça va donner. La liste est vide. Current désigne head.next. On est dans le cas où il y a
aucun élément, il y a donc seulement le nœud factice. Current va être égal au nœud factice. Est-ce que current est différent de head? Non. On va donc rien faire. Le cas où il y avait un élément. Current égale à head.next. Current va donc pointer vers, non pas le nœud factice, mais le nœud qui suit. Est-ce que current est différent de head? Bien sûr. Il y avait un élément. On pointe dessus. On va dans la boucle. On va afficher la valeur. On avance. Current égale à current.next. Puisque c'est la liste qui a un seul élément, c'est le dernier. Son current.next pointait vers le nœud factice. Et donc, on va sortir de cette boucle-là. On regarde si ça compile. Java C, linkedList.java. Ça compile. Dans notre test, alors, on va écrire un petit message ici pour rendre ça plus lisible. System out print line inside. Non. Celui-ci, c'est outside, à l'extérieur. Puis, ici, on aura inside, à l'intérieur. Pour que ce soit plus joli, on va s'ajouter des petits retours à la ligne pour espacer tout ça. Comme ceci. Et là, à l'intérieur, ce que ça veut dire, c'est qu'on appelle la méthode traverse de l'objet désigné par colors. Okay, ici, on appelle la méthode traverse en lui passant color. Traverse est une méthode ici de classe. Reçoit la référence, fait des appels à get. Dans ce cas ici, on appelle la méthode traverse de l'objet désigné par colors. Sauve. On compile notre test. Java C test.java. On l'exécute. Java test. On a donc bleu, blanc, rouge, jaune, vert et orange dans les deux cas. Ça fonctionne. Ça fait le même travail. Ça fait le même travail. Ici, on a peu d'éléments. Et la question est, si on avait plus d'éléments, est-ce qu'il y aurait des différences significatives entre les deux implémentations? Celle que je vais appeler l'implémentation A, c'est l'implémentation où on est à l'intérieur. C'est donc le colors.traverse. On a accès au nœud. Celle qui est à l'extérieur de la liste, celle où on a appelé traverse en lui passant en paramètre colors, je l'appelle l'implémentation B. Et là, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des différences dans le temps de calcul? Est-ce que c'est des différences qui sont mineures ou majeures? Laquelle est la plus rapide? Okay, si vous voulez, vous pouvez faire une pause du vidéo et vous poser la question. Essayez de déterminer. Je veux savoir laquelle est la plus rapide et je veux savoir pourquoi. Le pourquoi va être très intéressant. Okay. Vous êtes de retour. Voici les temps de calcul. A, je vous rappelle, c'est celle où on est à l'intérieur de l'implémentation. C'est donc colors.traverse. On est à l'intérieur. L'implémentation B, c'est traverse, méthode de classe,
On lui passe callers, fait des appels à get. Regardez-moi ça. Les temps de calcul sont très différents. Si on se rend à 1 280 000 éléments dans la liste, le temps de calcul pour la méthode qui est à l'extérieur, c'est 45 minutes, alors qu'à l'intérieur, on est capable de faire le même calcul, le même travail, en 5,92 millisecondes. Quelle différence! Donc là, je veux savoir, je veux comprendre pourquoi. Je vous explique comment j'ai créé mon exemple ici, mon test. Vous voyez que pour chaque nouveau test, j'ai multiplié par 2 la taille de la liste. Ce que je veux savoir maintenant, c'est, je veux que vous me donniez une explication, je veux que vous me donniez une relation mathématique qui va expliquer le temps de calcul en fonction du nombre d'éléments dans la liste. Je veux que vous complétiez la phrase. Chaque fois que je double le nombre d'éléments, qu'est-ce qui se passe avec la liste? Donc, qu'est-ce qui se passe évidemment avec le temps de calcul des méthodes? Pour bien comprendre, on va regarder la méthode get. Mais avant ça, je pense qu'on va, pour vous donner un peu l'intuition, là, je vous remonte les temps de calcul. Regardez ça. Est-ce que vous voyez cette relation mathématique-là? Est-ce que vous la voyez? Pas encore? OK. On va regarder ça. Donc, la méthode get, parce que c'est ce qu'on appelle à l'extérieur, puis on a bien vu que c'est celle qui est lente. La méthode get, pour une implémentation chaînée, doit toujours débuter avec le premier élément de la liste, doit aller dans cette boucle un nombre de fois proportionnel à la valeur du paramètre pause. Chaque fois, on déplace P et à la fin, on retourne la valeur recherchée. Notre méthode traverse qu'on a implémentée dans la classe test, ce qu'elle fait, c'est pour I égale à 0 jusqu'à la taille de cette liste, je fais des appels à get. Get, c'est ceci. On peut donc dire que le travail à faire, c'est pour I égale à 0 jusqu'à la taille. Ici, j'ai mis l'implémentation de get. Get doit partir du premier élément et aller dans cette boucle-là un nombre de fois qui est proportionnel à la valeur de i, la valeur de la boucle externe, chaque fois déplacer p. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je fais un appel à get 0, P est positionné sur head, je n'ai pas besoin d'aller dans la liste, j'ai visité un seul élément. Lorsque je fais un appel à get de 1, P est positionné sur la valeur, le nœud désigné par head, je vais dans la boucle une fois, P égale à P.next, j'ai visité deux nœuds. Pour un appel à get de 2, P est positionné sur head, je vais dans la boucle deux fois, j'ai visité trois nœuds. Pour get de 3, P est positionné sur head, je vais trois fois dans la boucle, j'ai visité quatre nœuds. De façon générale, pour get de n-1, on aura visité n nœuds.
Mais comme j'ai fait tous ces appels-là, get de 0, get de 1, get de 2, le nombre total de nœuds qui a été visité, c'est n fois n plus 1 sur 2, c'est-à-dire environ n carré éléments, n carré nœuds ont été visités. Je cherche mon tableau avec les temps de calcul. Chaque fois, chaque exécution, j'ai multiplié par 2 le nombre d'éléments, n. Quand je suis à l'intérieur, on voit que le temps a doublé. À chaque fois, c'est à peu près 2 fois plus long, ce qui est idéal. J'ai une liste de taille n, je double la taille de la liste, il y a maintenant 2 fois plus d'éléments, et le temps de calcul est multiplié par 2. Il y a une relation linéaire entre le temps de calcul et le nombre d'éléments. Ici, quand je suis à l'extérieur, ce qu'on s'aperçoit, c'est à chaque fois que j'ai doublé la taille de la liste, le temps de calcul a été multiplié par 4. Et c'est donc ce que j'ai ici. Lorsque je multiplie par 2 la valeur de n, le temps de calcul est donc multiplié par 4. OK? Et on voit que, donc, il y a une relation quadratique entre le nombre d'éléments et le temps d'exécution. Puis on voit que pour une liste qui contient 1 280 000 éléments, ben c'est significatif. Le temps de calcul est maintenant de 45 minutes alors que je peux faire le même travail à l'intérieur en 5,92 millisecondes. Imaginez que cette liste-là contient des polygones qui sont à être affichés dans un jeu vidéo. À chaque fois que la scène tourne, je dois réafficher le contenu de la scène. Je dois donc parcourir ma liste de 1 280 000 polygones. Quand je suis à l'intérieur, ça me prend 5,92 millisecondes, ce qui est très acceptable. De l'extérieur, ça m'a pris 45 minutes. Je vais vendre aucune copie de ce jeu vidéo-là. Ce n'est pas acceptable. Donc, on veut être en mesure de traverser la liste, mais de l'extérieur, afin de visiter les éléments une et une seule fois. On va trouver une façon de faire un mécanisme. On veut faire ça sans donner accès à l'implémentation. On ne veut pas faire de compromis. On ne veut pas que les variables d'instance de la classe LinkedList soient publiques. Donc, les utilisateurs de l'extérieur n'ont pas accès aux détails de l'implémentation. La solution que je vous propose, c'est une solution qui a un contexte très, très spécifique. On va solutionner le problème où on veut visiter tous les nœuds de la liste de façon séquentielle, dans l'ordre qui sont dans la liste. C'est ça qu'on va accélérer et ce n'est pas une solution générale pour accélérer GET. GET, on peut accéder les éléments dans un ordre aléatoire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est les accéder dans l'ordre. Le mécanisme que je vous propose, ça s'appelle un itérateur. Puis c'est un mécanisme qui est très uniforme et général. C'est un mécanisme qui va nous permettre de parcourir les listes, mais aussi des arbres et toutes ces autres structures de données que vous verrez dans le cours de structures de données. Et ça fait partie du concept ou ça fait partie de la librairie de Java. Ça existe. OK. Donc, l'interface dont on parle, ou en fait le concept
dont on parle est représenté à l'aide d'une interface qui s'appelle Iterator. C'est quoi un itérateur? Ben, c'est un objet qui possède une méthode next et une méthode hasNext. La question fondamentale à laquelle on doit répondre dès maintenant, c'est quelle classe sera responsable d'implémenter cette interface-là, l'interface Iterator? Je peux tout de suite vous dire que on va commencer avec une implémentation qui va être simple à comprendre, je l'espère, et on va utiliser ça comme tremplin pour regarder une implémentation qui est plus complexe. Je vais d'abord vous donner l'idée intuitive de l'itérateur. Imaginez une liste qui contiendrait 5 éléments, les éléments 0, 1, 2, 3, 4. Conceptuellement, l'itérateur, au début de l'itération, il est situé avant le début de la liste. Lorsqu'on va faire un appel à la méthode next de l'itérateur, l'itérateur va se déplacer. Conceptuellement, il est maintenant après l'élément dont on a retourné la valeur. On a donc retourné la valeur 0, puis on s'est déplacé. Un autre appel à la méthode next va retourner la valeur 1 et déplacer l'itérateur de sorte qu'il est situé après l'élément retourné. Un prochain appel à la méthode next retourne la valeur 2. L'itérateur s'est déplacé vers l'avant, il est maintenant après l'objet 2. On fait un autre appel à la méthode next, on retourne la valeur 3, l'itérateur s'est déplacé, il est maintenant situé après la valeur retournée. À ce moment-ci, si on fait un appel à hasNext, l'itérateur va nous dire « Oui, oui, tout à fait, j'ai encore des éléments qui sont disponibles dans cette itération, hasNext est vrai. » Je fais donc un appel à la méthode next. La valeur 4 est retournée. L'itérateur s'est déplacé. Il est maintenant en fin d'itération. Si je fais un appel à hasNext, hasNext va retourner faux, me disant on est à la fin de l'itération. Il n'y a plus d'éléments disponibles dans cette itération. Un appel à la méthode hasNext lancerait une exception. Comment est-ce qu'on va implémenter ça? Je vous propose une première implémentation. Comme je vous ai dit, on va la mettre de côté très bientôt, mais celle-ci, elle a l'avantage d'être simple. Donc, dans toutes nos discussions, on s'est toujours posé des questions, mais qu'est-ce qui nous permet d'accéder efficacement à un élément? Et ça a toujours été, c'est d'avoir une référence vers cet élément-là. Okay? Donc, on se souvient, dans la pile, on accédait rapidement à l'objet du dessus parce qu'on avait une référence top qui pointe vers l'élément du dessus. Dans l'implémentation d'une file, l'implémentation qui était efficace était une implémentation où on avait une référence vers l'élément avant, une référence vers l'élément arrière. Ici, l'idée que je vous propose, c'est on va augmenter l'objet linked list pour lui fournir une variable d'instance current qui va nous servir à implémenter notre itérateur. L'implémentation que j'ai dans les notes de cours, c'est une implémentation où les nœuds sont simplement chaînés et où j'ai une variable head dans l'objet linked list. Dans cette implémentation-là, ce que j'ai choisi de faire, c'est quand l'itérateur est positionné devant la liste, lorsqu'on n'a pas débuté l'itération, la valeur de current est nulle. C'est une valeur spéciale qui nous dit « j'ai pas commencé l'itération ». S'il y a un appel à la méthode next,
l'itérateur va regarder la valeur de current, va dire « Oh, ma variable current est nulle, j'ai donc possiblement pas débuté une itération. Head n'est pas nulle, je peux donc débuter l'itération. Je vais copier la valeur de head dans current et l'itérateur s'est donc déplacé vers l'avant. Je retourne current.value. Conceptuellement, on va se dire que l'itérateur est après l'élément retourné. La méthode asNext ici devrait retourner true. C'est vrai que je pourrais faire un appel à next et il me retournerait une prochaine valeur. Je fais un appel à la méthode next. La méthode next regarde la valeur de current. Current n'est pas nulle. Je suis donc dans une itération. Je vais me déplacer. Je vais copier current.value dans current. Current est maintenant positionné sur l'élément B. Je retourne current.value. Mon itérateur est conceptuellement positionné après l'élément retourné. Je demande à asNext, est-ce qu'il y a plus d'éléments dans l'itération? Absolument, pas de problème. J'appelle la méthode next. Je vais donc copier current.value dans current. Current pointe maintenant vers cet élément-là. Je retourne current.value et conceptuellement, l'itérateur est situé après la fin de la liste. Je demande à la méthode asNext, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à retourner dans l'itération? La méthode va regarder current.next. Non, current.next est nul. Ce serait une erreur d'appeler la méthode next. Celle-ci, ce qu'elle fait, c'est current égale à current.next. Retourne current.value. Il y aurait donc une erreur. Donc ici, current asNext retourne faux. Dans l'implémentation sur laquelle on va travailler ensemble, on utilise des nœuds doublement chaînés avec un nœud factice. Donc, on va utiliser la même idée. On va ajouter une variable d'instance current dans l'objet linked list. Puisqu'on a un nœud factice, quand l'itérateur est en début d'itération, c'est-à-dire il est positionné avant le premier élément, on va le faire pointer vers le nœud factice. C'est intéressant parce que ça va rendre les traitements plus simples. C'est tout le temps ce que le bénéfice de l'implémentation où on a un nœud factice. L'implémentation des méthodes est grandement simplifiée. OK, donc ici, si on prend le cas où la liste est vide, si on posait la question à l'itérateur, est-ce qu'il y a un prochain élément à retourner dans l'itération? On regarderait current.next pointe vers le nœud factice. Je suis en fin d'itération. Il n'y a pas d'élément à retourner dans l'itération. Si on regarde tout en bas, current en début d'itération pointe vers le nœud factice. Current.next ne pointe pas vers le nœud factice. HasNext retourne true. Je me déplace. Appel à next. L'appel à la méthode next va copier la valeur de current.next dans current. Current pointe maintenant ici. Je retourne current.value. L'itérateur est conceptuellement situé après l'élément retourné. Appel à hasNext. Est-ce que current.next pointe vers le nœud factice? Non. Appel à next. Je copie la valeur de current.next dans current. Current pointe ici. Je retourne current.value. L'itérateur est conceptuellement situé là.
Est-ce que je suis en fin d'itération? Has next retourne faux, puisque current.next n'est pas égal à head, ne pointe pas vers le nœud factice. Appel à next. Je copie la valeur de current.next dans current. Current pointe maintenant vers le dernier élément. Je retourne current.value. L'itérateur est conceptuellement en fin d'itération. Current.next désigne le même nœud que head, c'est-à-dire le nœud factice. HasNext retourne false. On code ça ensemble? Alors, on a décidé pour l'instant que c'est LinkedList qui est responsable d'implémenter l'itérateur. Donc, iterator. On va ici à copier notre itérateur dans le répertoire courant, comme ça. Regardons qu'est-ce que c'est l'itérateur. Public Interface Iterator possède une méthode next qui retourne une valeur de type E, une méthode hasNext qui retourne un booléen. On a décidé que c'était la responsabilité de LinkedList d'implémenter l'interface Iterator. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, LinkedList a deux personnalités. Peut être vu comme une liste, peut être vu comme un itérateur. Vous vous souvenez, je vous ai toujours dit en classe, « can be seen as ». La classe LinkedList peut être vue comme une liste, comme un itérateur. Si j'écris ça, qu'est-ce qu'on s'attend si je tente de compiler la classe LinkedList? Bien, on s'attend à ce que le compilateur nous dise « La classe LinkedList n'est pas abstraite et n'implémente pas la méthode asNext ». On vérifie Java C, linkedList.java. LinkedList is not abstract and does not override method hasNext. Très bien, très bien. On le savait, ça devait arriver. Alors, je dois avoir une méthode public boolean hasNext. Et une méthode public i next, comme ça. Vous savez, j'aime bien à ce que le code soit valide à tout moment, à ce que du point de vue du compilateur, que la syntaxe et les types soient bien sécuritaires. Ce que j'aime faire, c'est, je commence comme ceci, throw unsupported operation exception not implemented yet. Comme ça, compile. Ah, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Unsupported operation exception cannot find symbol. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Unsupported operation exception. Je suis un petit peu fatigué là. Unsupported operation exception. Ok, ça va pas. Oh! Aha, pas si fatigué. Ouais, fatigué. Fallait le créer, cet objet-là. New. Ça. Alors. Bon, ça compile. Ouf. Pourquoi c'est important? Ben, je veux tout simplement m'assurer que
L'implémentation dans laquelle je travaille présentement n'a pas d'erreur de syntaxe, n'a pas d'erreur au niveau des types. Ça me permet de progressivement implémenter le code. Commençons avec hasNext. On a dit, puisqu'on est dans l'implémentation avec un nœud factice, on peut avancer dans la liste, on peut faire des appels à next si current.next est différent de head, head étant le nœud factice. Mais là, on aura besoin de s'assurer ici que, bon, d'une part, je vois que on a parlé de current. Qu'est-ce que current? Current est une nouvelle variable d'instance de type node. Un objet de la classe linkedList possède deux variables d'instance de type node, head et current, ainsi qu'une variable d'instance size. Dans mon constructeur, je vais m'assurer qu'au début de l'itération, ou quand un objet linked list est créé, current va pointer vers le nœud factice. Je suis en début d'itération avant le premier élément. Est-ce que tout ça compile? Ouais. Implémentons la méthode next. Ah, peut-être même pas tout de suite. On pourrait déjà tester un peu cette implémentation-là. Allons ici. On va se créer un troisième test. On va dire affichons un message iterator. Comment ça va fonctionner? Donc, je me déclare une variable de type iterator dont le paramètre de type est string. Je l'appelle i. Est-ce que ça compile? Java C test.java. Qu'est-ce que je peux mettre dans une variable i de type iterator? La référence d'un objet dont la classe implémente l'interface. I égale colors devrait fonctionner. Colors est de type linked list. Linked list implémente l'interface iterator. Donc, je n'ai pas encore implémenté ma méthode next, mais j'ai implémenté ma méthode hasNext. Ce que je vais vouloir faire à l'intérieur de cette boucle-là, c'est la chose suivante, systemOutPrintLine. On va afficher i.next. I est un objet de type iterator. Iterator déclare une méthode next. OK, donc je sais déjà que j'aurai des problèmes là. Donc ici, je vais faire names. Names est une nouvelle liste. Elle est vide. J'ajoute rien à la liste. Donc, l'appel à hasNext devrait me dire cette liste, elle est vide là. Je ne peux pas aller à l'intérieur de la boucle. Java C test
Oups. Erreur dans le nom. Comme ça. Ah ben, j'étais assez consistant dans mes erreurs. Names. Comme ça. Bon. Java test. OK. De l'extérieur, j'affiche les éléments. De l'intérieur, j'affiche les éléments. J'affiche iterator. La liste names n'a aucun élément. HasNext a retourné faux. Je ne suis pas allé à l'intérieur. Utilisons maintenant la liste colors. Celle-ci possède des éléments. HasNext devrait être vrai. Je vais aller ici, puisque je ne l'ai pas encore implémenté, je m'attends à obtenir une exception. Oups! Unsupported operation, not implemented yet. Allons donc implémenter cette méthode next-là. Je suis ici. Je retire mon message, mon exception. Qu'est-ce que next? Ben, on avait dit qu'il faudrait d'abord vérifier. Si hasNext est faux, ben, il ne faudrait surtout pas que je poursuive l'exécution du code. C'est donc ma précondition. Je vais faire throw new. No such element exception. Comme ça. Sinon, il y a des éléments. Ben, c'est simple. Hein? Current est égal à current.next. Return current.value. Je compile ma liste. J'exécute mon test. Même résultat. Bleu, blanc, rouge pour la méthode traverse de la classe test. Bleu, blanc, rouge, jaune, vert, orange pour la méthode traverse implémentée à l'intérieur. Et bleu, blanc, rouge, jaune, vert et orange lorsque j'utilise mon itérateur. OK, donc voici la petite portion du test où j'utilise cet itérateur-là. I est de type itérateur. Pour l'instant, on a donné la responsabilité à la classe LinkedList. On demande à l'itérateur, y a-t-il d'autres éléments? Oui, donne-moi le prochain et je l'affiche. À chaque fois, l'itérateur se déplace. Éventuellement, il atteint la fin. HasNext est faux. On termine. Est-ce que c'est rapide? OK, je suis à la recherche là, de temps de calcul. Il semble que... Ah, je ne les ai peut-être pas ajoutés à cette version-là. Bon. OK, je vous les montre. Ils s'en viennent juste ici. OK, bon. L'ordinateur est un peu lent. OK. Est-ce que c'est rapide? Intérieur, itérateur. 1 280 000 éléments, 5,92 millisecondes à l'intérieur, 7,2 millisecondes lorsqu'on utilise l'itérateur. Le temps de calcul double à chaque fois. On a une relation qui est linéaire entre le temps de calcul et le nombre d'éléments dans la liste. C'est fantastique, c'est rapide, ça marche. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Malheureusement pas. Malheureusement pas.
il y a un problème avec notre implémentation. En fait, le problème est plutôt une restriction. Il y a un problème avec l'implémentation qu'on a de notre liste. Quelle est cette restriction-là? La restriction, c'est que il y aura un seul itérateur, puisqu'on a une seule variable d'instance dans l'entête de la liste. On aura donc un seul itérateur sur la liste. Faites une petite pause du vidéo, puis pensez, comment est-ce que vous pourriez solutionner ce problème-là? Comment avoir plusieurs itérateurs sur une même liste? Comment on pourrait bien solutionner ce problème-là? Vous êtes de retour? On a tous les outils pour solutionner ce problème-là. Je vais vous montrer des diagrammes de mémoire, puis vous avez à faire l'ingénierie inverse du problème. Pouvez-vous trouver la solution que j'implémente ici? Donc, je veux plusieurs itérateurs. Clairement, ça veut dire qu'il y aura plusieurs variables de type node. Chaque itérateur a sa propre variable de type node et pointe vers un élément de la liste. Clairement, les objets node sont privés. Les variables d'instance de cette classe-là sont privées. Je ne peux pas donner des références aux autres classes de ce programme-là qui auraient accès aux objets node. Je ne peux pas faire ça. Ce que le diagramme suggère, c'est que il y a des objets. Okay, on les voit ici, mes petits. Les boîtes ici sont des objets qui possèdent une variable d'instance current. Ce sont ces objets-là qui vont réaliser l'interface iterator. On va donner la responsabilité d'implémenter l'interface itérateur à des objets qui, eux, posséderont une variable d'instance current pointant vers la liste. Où est-ce qu'on va implémenter cette classe-là, que je vais appeler myIterator? Ben, tout comme les objets de la classe node, je vais les implémenter dans la classe LinkedList à l'aide d'une classe imbriquée statique. Ça va être notre point de départ. Je vais implémenter l'itérateur à l'aide d'une classe imbriquée statique. Alors, on s'y met. Je vais donc créer une nouvelle classe imbriquée. Celle-ci s'appelle myIterator. A son propre paramètre de type et la tâche d'implémenter l'interface iterator est donnée à cette classe-ci. Comme ça. OK, donc ce n'est plus la classe LinkedList qui réalise l'interface iterator, mais ce seront des objets de la classe myIterator qui vont réaliser cette interface-là.
Ces objets ont donc une variable de type node, node de U, current. Ce n'est plus la tâche de la classe linked list d'implémenter les méthodes hasNext et next. C'est la tâche de myIterator. MyIterator réalise iterator, possède des méthodes hasNext et next. On a dit un itérateur, quand il est créé, il est en début d'itération. Sa variable current va désigner head. OK, donc, quand un objet myIterator est créé, sa variable current pointe vers le nœud factice. Lorsqu'on appelle sa méthode hasNext, il regarde, est-ce que current.next est différent du nœud factice? Si oui, on peut procéder avec l'itération. Quand on fait un appel à next, on déplace l'itérateur et on retourne current.value. Regardez ça. S'il faut, faites une petite pause. Si je compile cette classe-là, est-ce que ça va fonctionner? Java C, linkedlist.java, est-ce que ça va fonctionner? Voyez-vous un problème? Donc, forcément, il y en a un puisque j'y vais si lentement. Compilons. Il y en a un ou plusieurs. Alors, j'avais fait une erreur d'abord au niveau paramètres de type. Recompilons. OK. Effectivement, encore par erreur, paramètres de type. Next, retourne quelque chose de type U parce que son paramètre de type, c'est U. Sauve, compile. Ah! On arrive au problème dont je veux parler. Non-static variable head cannot be referenced from static context. Haha. La classe myIterator n'a pas accès à la variable head. Ça devrait être très, très logique. Je suis dans un contexte statique, un contexte de classe. Je ne suis pas dans un contexte d'instance non-static. Imaginez ici, si j'étais dans une méthode de classe, une méthode statique, j'aurais le même message d'erreur. Je ne peux pas utiliser la valeur de head lorsque le contexte est le contexte de classe. Je peux le faire seulement dans un contexte d'instance. La première solution que je vais vous proposer pour notre problème va être la suivante. Je me crée un constructeur, private myIterator, et je vais lui dire quelle est sa liste. OK. Donc, myList.
Un itérateur va mémoriser une référence vers sa liste. My list, this my list est égal à my list. Et on va dire current est égal à mylist.head. OK, c'est le head de la liste dont je suis responsable. Je suis un itérateur pour une certaine liste et quand je veux savoir où je suis dans la liste, quand je veux consulter le nœud factice, c'est mylist.head. De la même façon ici dans hasNext, je vais dire c'est mylist.head. Ça compile. Regardons comment ça fonctionne, ce truc-là. OK. Donc, j'efface mes annotations. Alors, comment ça fonctionne? J'ai maintenant... Ah, vous n'êtes pas avec moi. Je vous amène ici. OK. J'ai maintenant des objets de la classe MyIterator. Ces objets-ci ont une variable d'instance current et une variable d'instance MyList. On veut que l'itérateur soit associé à une liste et dans le constructeur, on va faire pointer current vers le nœud factice. Current est égal à mylist.head. Même idée en bas. Un objet myIterator possède une variable d'instance mylist. A une variable d'instance current. Dans le constructeur, on s'est assuré que current pointe vers le nœud factice, c'est-à-dire mylist.head. On peut imaginer que celle-ci, c'est L1. Cette liste-ci est désignée par une référence qui s'appelle L2. L'itérateur du haut est désigné par une variable I. L'itérateur du bas est désigné par une variable qui s'appelle J. Comme ça. Donc, si je pose la question, si j'appelle i.hasNext, oups, as next. Alors, on appelle la méthode hasNext de l'objet désigné par i. On exécute hasNext dans le contexte de cet objet-là. La méthode hasNext dit si current.next est égal à myList. .head, alors il n'y a, je suis soit en fin d'itération ou il n'y avait pas d'éléments dans cette liste, hasNext retourne faux. S'il y a un appel à j.hasNext, on exécute la méthode hasNext dans l'objet désigné par j. La méthode hasNext regarde. Est-ce que current.next est égal ou différent de mylist.head? Clairement,
c'est différent. Has next retourne vrai. Je fais donc un appel à next. J'appelle la méthode next de l'objet désigné par J. Donc, je suis dans cet objet-ci. Qu'est-ce que la méthode next fait? Elle fait d'abord un appel à la méthode hasNext. S'il n'y avait pas de prochain, je lance une exception. Ici, il y a un prochain élément dans l'itération. Tout va bien. Tout ce qu'on fait, c'est current égale current.next, current.ici, je retourne current.value. Appel à hasNext. Est-ce que current.next est différent de myList.head? Oui. Appel à next. Current égale current.next. Je retourne current.value. Est-ce que j.asNext est vrai? Est-ce que current.next est différent de myList.head? Oui. Appel à next. Current égale à current.next. Retourne current.value. Appel à asNext. Est-ce que current.next est différent de myList.head? Non. Fin de l'itération. On revient dans le code. Je vais ajouter une méthode main tout en bas. Alors, j'ajoute une méthode main dans laquelle je vais déclarer des variables de type list pour une chaîne. Je vais les appeler A et B. Je crée un objet de la classe LinkedList, New LinkedList, pour des chaînes, comme ceci. Je vais en créer deux. Et dans B, je vais ajouter quelques éléments. B.addLast, alpha, bravo et Charlie, bravo, Charlie. J'ai trois éléments. Donc, la liste désignée par A est vide. La liste désignée par B a trois éléments. Je compile la liste pour m'assurer que je n'ai pas fait de bêtises. Déclarons des itérateurs pour des chaînes, des listes de chaînes, I et J. Qu'est-ce que je peux mettre dans I? Je peux mettre la référence d'un objet qui implémente l'interface iterator, my iterator, certainement, est une classe qui réalise l'interface iterator. Celle I va être un itérateur pour la liste A et J va être un itérateur pour la liste B. Tant que i.hasNext, affichons systemout println i.next. De
devrait rien afficher puisque cette liste est vide. On fait la même chose avec l'itérateur J pour l'autre liste. Comme ça. Parce que ça compile. Ça compile. OK, qu'est-ce qu'on a? A et B sont des références vers des objets de la classe list. J'ai créé ces objets linked list ici. Dans la liste désignée par B, j'ai ajouté des éléments. J'ai déclaré deux variables I et J. Ils pointent vers des objets myIterator. I pointe vers un objet iterator pour la première liste. J pointe vers un objet iterator pour la seconde. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté, affichons des petits messages ici. Print system out, print line. OK. Liste A, comme ça. Liste B, ici. Compile. Exécute. OK. Liste A, il n'y avait rien à afficher. Liste B, Alpha, Bravo, Charlie. On voit même ici l'erreur. Un Bravo avec un E. OK. On recompile juste par souci. OK. Donc, Alpha, Bravo, Charlie, ça fonctionne. J'ai un itérateur. J'ai deux itérateurs, en fait. Ils fonctionnent passablement bien. Sauf que là, je suis à l'intérieur de la classe linked list. C'était pas ça mon but. Mon but, c'est de fournir à l'extérieur de cette liste-là des itérateurs. Donc, dans ma classe linked list, je vais, okay, donc je suis ici, j'ai mon itérateur. Je vais avoir une méthode, puis je vais suivre la nomenclature de Java. Une méthode qui va retourner un itérateur. Ici, je suis dans la classe linked list, je parle donc du type E. Et la méthode va s'appeler iterator, puis elle va retourner un itérateur. Ça aurait été plus logique qu'elle s'appelle getIterator. Ça aurait été plus parlant généralement dans les diverses classes de Java. Elle s'appelle iterator, cette méthode-là. C'est une méthode d'instance. Et elle va retourner un nouvel objet myIterator pour cette liste-ci, this. OK? Je suis dans une méthode d'instance de la classe linked list. This, c'est cette instance-ci. C'est ce que je vais passer au constructeur. OK? Donc, puisqu'on est ici, ben regardons voir si ça va fonctionner. Donc, maintenant, ce n'est plus Colors qui réalise l'interface iterator. C'est les objets de la classe myIterator qui nous sont retournés par un appel à la méthode iterator. OK, Java C test.java, Java test. L'itérateur fonctionne. Il me retourne les éléments de cette liste-là. Si je veux plusieurs itérateurs, comme tout à l'heure, je peux me créer une autre liste. On va l'appeler names. Pluriel, names. On va ajouter des noms. Donc,
names.addLast. Marcel. David. Nancy. OK. Créer. Et là. J. Est un itérateur sur cette autre liste-là. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Regardons, j'avais ces tests. Qu'est-ce qui s'est passé ici? OK, I et J. Names. Ah! OK. Comme ça. Recompile. OK, donc. Nancy, Marcel et David. Je pourrais avoir un troisième itérateur. En fait, deux itérateurs sur la deuxième liste, iterator, pour chaîne, que je vais appeler K. K est égal à names.iterator. Ce que je vais plutôt faire, c'est afficher des paires. Vous allez voir dans une seconde. Là. OK? Soyez patient. String. OK. A est égal à j.next. J'ai mon itérateur ici. On va simplifier le code un peu comme ça. Tant que J, en fait K, has next, je vais à l'intérieur de la boucle. J'aurai B est égal à K.next. J'affiche A, virgule, B. OK, j'ai donc deux itérateurs sur la liste names, comme ceci. Donc, I et J et K sont deux itérateurs pour cette liste-là. Pour tous les J, je vais chercher le nom. Ensuite, je vais retraverser la liste à nouveau à l'aide de l'itérateur K. Puis, je vais afficher toutes les paires A et B. OK, j'ai donc deux itérateurs. Ça m'a permis d'afficher pour tous les A, les valeurs de B. Les A sont à la boucle extérieure. J'ai une boucle interne pour B. OK, donc ça marche. Ça marche très, très bien. J'ai donc une implémentation de l'itérateur. OK, si on résume. Ce n'est plus la classe LinkedList qui réalise l'interface iterator. Une liste, c'est une liste. La classe LinkedList réalise l'interface list. J'ai une classe imbriquée statique myiterator qui réalise l'interface
iterator. Chaque itérateur connaît sa liste et a une variable d'instance current qui lui permet de pointer vers un nœud. Quand je crée l'itérateur, je lui dis « Tu appartiens à cette liste-là. » Il veut s'en souvenir « My list, this my list égale my list. » On initialise current pour qu'il pointe vers le nœud factice. HasNext est vrai si current.next est différent de myList.head. Current.next ne pointe pas vers le nœud factice. Next se déplace vers l'avant, retourne current.value. Je vous montre des diagrammes de mémoire pour illustrer ce qu'on a présentement. OK, donc je les cherche, je vous les montre. OK. Alors, chaque objet de la classe myIterator possède une variable d'instance myList qui désigne sa liste à lui. Possède une variable current. Ici, je suis dans l'implémentation simplement chaînée. La valeur current égale à nul signifie je suis avant l'itération. Dans l'autre cas, j'ai ici my list qui désigne ma liste. OK? Donc, c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. Et l'histoire pourrait s'arrêter ici. Fin de l'histoire, j'ai une implémentation, elle est très très performante, elle est optimale, le temps de calcul est linéaire, c'est-à-dire chaque fois que je double la longueur de la liste, le temps d'exécution double, le coût est très minime, 13% plus lent que du code écrit à l'intérieur, très élégant, très rapide, on n'a pas fait de compromis au niveau de l'encapsulation des données. Tout est beau. L'histoire pourrait s'arrêter ici, mais Java nous donne un mécanisme qui nous permet une implémentation encore plus élégante de la classe MyIterator. Il y a un site que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Java Ranch, où il y a plusieurs petites histoires intéressantes. Il y en a une qui s'appelle « Getting in touch with your inner class ». Et ça va comme suit, ça dit « Attractive object seeks that special someone for sharing private thoughts, walks on the beach, drinking wine from a glass, subclasses and pets are okay, no static ». OK, donc on cherche que l'être spécial pour partager des choses, pour faire des activités, mais clairement, il y a quelque chose ici qui dit ce ne sera pas statique. Ces classes imbriquées-là ne seront pas statiques. Donc, un objet d'une classe interne, une classe imbriquée non statique, a une connexion toute spéciale à son objet externe. Ici, les objets de la classe interne, classe imbriquée non statique, sont nos objets myIterator. Ici, on voit, on peut avoir autant d'itérateurs que nécessaire. Ces objets-ci ont une connexion spéciale avec l'objet externe de la classe. Dans ce cas-ci, l'objet externe est la classe LinkedList, la classe imbriquée non statique et la classe MyIterator. Okay, donc, en anglais, on appelle ça Inner Class. En français, on parle de classe interne. Il s'agit d'une classe imbriquée non statique. Et ce qui est particulier avec une classe imbriquée non statique, c'est qu'elle a accès aux variables et aux méthodes
de l'objet externe, de l'objet qui les a créés. C'est exactement pour ça qu'on va utiliser ce concept-ci. Alors, on retourne dans notre implémentation. OK, je vais m'assurer que j'ai bien enlevé la méthode main. Ça va. On va laisser tomber le mot-clé statique. Il y a donc on établit une connexion avec l'objet externe. On n'a plus besoin d'un paramètre de type ici. On a accès aux paramètres de type de notre objet externe. On va implémenter l'interface iterator pour E. J'ai plus besoin de me connecter de façon explicite à l'objet externe, ce sera fait de façon implicite. Puisque je suis une classe imbriquée non statique, j'ai accès à la variable head de la liste à laquelle j'appartiens. Ma méthode hasNext a accès à la variable head. Variable head n'est pas une variable d'instance de myIterator. La variable head est une variable d'instance de l'objet externe. Okay, on a ici un petit restant là, qu'on peut enlever. Ensuite, ma méthode next va retourner quelque chose de type E. OK. Alors, est-ce que ça fonctionne? Java C, linked list. OK, normalement, j'ai mes étudiants en classe pour m'aider à trouver toutes les erreurs. Là, je suis seul. Ah, oui, j'avais ici un petit restant, le type U, c'est maintenant le type E. J'ai accès au type E qui m'est fourni par la classe. OK. Ah! Il fallait aussi, dans la méthode, on n'a plus besoin de lui donner explicitement la liste à laquelle elle appartient. La méthode iterator est une méthode d'instance. Une méthode d'instance de la classe linkedList. Quand elle crée... Oups! Où est-ce qu'on est? Quand la méthode iterator, méthode d'instance de la classe linkedList, crée un objet de la classe LinkedList, cet objet-là est automatiquement connecté à son objet externe. OK. Quelques erreurs comme ça. On va y arriver. Current égale head, où est-ce que c'est? En ligne 55. Ah, bien sûr. Ce n'est plus la responsabilité de la liste d'implémenter l'itérateur. On a maintenant une classe qui s'occupe de ça. Donc, c'est un petit restant, encore une fois, de notre première implémentation. Parfait. Ça compile. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne super bien. OK, donc, cette idée-là, De créer des classes imbriquées qui ne sont pas des classes statiques, mais des classes non statiques, donc des classes qui ont une connexion à l'objet externe. C'est un concept qui est fréquemment utilisé. On l'utilise entre autres lorsqu'on crée des interfaces usagées. Ça nous permet de créer des contrôleurs qui ont accès à l'interface graphique. Ça nous permet de faire ça de façon élégante. Ici, c'était nécessaire. Donc, la classe Node n'utilise pas des variables d'instance ou des méthodes d'instance de l'objet externe. La classe Node est statique. La classe MyIterator doit accéder à la variable d'instance de son objet externe. La classe MyIterator
et non statique. Et tout ça fonctionne très, très bien. OK, donc je vais simplement maintenant vous montrer quelques diagrammes de mémoire. OK. Donc, maintenant, les objets MyIterator sont des objets d'une classe imbriquée non statique. La connexion dont on avait besoin se fait de façon explicite. L'espace des noms des objets internes et externes est partagé. En fait, l'objet de la classe interne a accès au nom de variable et de méthode de son objet externe. C'est pour ça qu'on a utilisé une classe imbriquée non statique. OK? Et donc, ici, on a quelques exemples. Je m'efface de l'écran. Donc, ici, I a été créé par un appel L1.iterator. On a appelé la méthode iterator de l'objet désigné par L1. C'est celui-ci qui a créé l'objet. L'objet est donc connecté à l'objet externe. De la même manière, J a été créé par un appel L1.iterator. On a appelé la méthode iterator de l'objet désigné par L1, la méthode iterator qui est exécutée dans cet objet-ci. Ainsi, l'objet MyIterator est connecté à son objet externe, qui est celui-ci. Dans le diagramme du bas, K a été créé par un appel L2Iterator. J'appelle la méthode iterator sur l'objet désigné par L2. C'est dans ce contexte que la méthode iterator est exécutée. Vous vous souvenez ce qu'elle fait? Return new myiterator. Cet objet-ci est donc connecté à cet objet-là. Dans les notes de cours, l'exemple que j'utilise, on a une liste simplement chaînée, sans nœud factice. Si je fais l'appel i.hasNext, j'exécute la méthode hasNext sur l'objet désigné par i. C'est la méthode hasNext dans le contexte de cet objet-ci. La méthode hasNext, regarde. La valeur de current est nulle, ce qui symbolise être au début de l'itération. HasNext va retourner vrai puisque current est égal à nul et head dans la liste à laquelle l'itérateur i appartient, head n'est pas nul. Je fais un appel i.next. La méthode next regarde, la valeur de current est nulle. Je suis donc en début d'itération. Head dans ma liste n'est pas nul. Je vais copier la valeur de head dans current et je vais retourner current.value. Si j'appelle k2.hasNext, j'appelle la méthode hasNext de l'objet désigné par k2. La méthode regarde current égale à nul. Est-ce que ma liste a des éléments? Est-ce que head est nul? Head n'est pas nul, donc hasNext retourne vrai.
Et donc, c'est important ici, la connexion entre l'objet et sa liste est importante. C'est pour ça que la classe MyIterator est une classe imbriquée non statique. Si on fait un appel k.next, on exécute la méthode next de l'objet désigné par k. La méthode next est exécutée ici. Elle dit current est égal à null. Je vais copier la valeur de head dans current et je vais retourner current.value. OK? Donc, cette implémentation-là, elle est équivalente à notre seconde implémentation, sauf que elle utilise ce concept que le langage Java nous fournit, la classe imbriquée non statique. C'est une implémentation qui est équivalente au niveau des temps de calcul. On voit maintenant que si on pousse l'enveloppe jusqu'à 2 560 000 éléments dans une liste, ça nous prend 11 millisecondes à l'intérieur, ça nous prend 11 millisecondes à l'aide d'un itérateur et ça nous prend 4.1 heures de calcul si on est à l'extérieur puis on fait des appels à get. Donc, ce concept-là d'itérateur est payant, ça nous donne une implémentation rapide et sécuritaire au niveau de l'encapsulation, au niveau des types de données. OK, donc c'était ça pour notre vidéo. On a donc présenté un mécanisme qui nous permet de traverser une liste, un élément à la fois. L'itérateur a une méthode next et une méthode hasNext. hasNext retourne vrai si un appel à next est possible. La méthode next, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne le prochain élément dans l'itération. Donc, on se déplace et on retourne un élément. Pour faire ça, on a utilisé une classe interne, c'est-à-dire une classe imbriquée et non statique. Et la raison pour laquelle on avait besoin d'une classe imbriquée non statique, une classe interne, c'est que les classes internes ont accès aux variables et aux méthodes de la classe, de l'objet externe. OK, c'est pour ça qu'on a utilisé ce concept-là. OK, donc au prochain cours, on va regarder les traitements récursifs. On va utiliser la récursivité afin de traverser une structure de données.